trouve dans ma cuisine complètement en bordel. Il y en a de partout. Parce que déjà les courses, mais en plus Charlie était en train de faire des de petits trucs à dîner, voilà, pour ce soir. Donc elle en avait partout. Voilà. J'ai une cuisine, c'est Hiroshima. On se retrouve du coup pour un retour de course. On vient d'aller faire voilà, une seconde grosse partie de course. Franchement, je ne saurais pas vous dire. La première partie, on en avait pour 260 ou 280 euros, je crois. Ça nous a duré bien, parce que je crois qu'on avait fait ça fin février, il me semble, un truc comme ça. Ou tout début mars, je ne sais plus exactement. Mais en tout cas, ça nous a bien tenu. Entre temps, on est parti faire au compte-gouttes. Mais voilà, au compte-gouttes, franchement, au final, ça nous revient beaucoup plus cher que si on l'achète pour faire vraiment. Parce que bah, on n'achète pas en plus ni quoi que ce soit, quoi. Donc, j'ai refait un drive à Auchan. Franchement, les prix, c'est indécent. Mais je pense qu'on en est tous là. Donc, bah, on fait comme on peut. Je sais plus qui c'est qui m'a dit. Regarde, t'as pas Leclerc pas loin de chez toi qui fait le drive. Parce que Leclerc, ils sont moins chers apparemment. On en a un à quelques kilomètres d'ici. Mais ils font pas le drive. Voilà, donc c'est la loose. Mais bon, c'est pas grave. Allez, j'attaque par le congelé. Comme ça, après, on va tout foutre au congèle. Comme d'habitude, j'essaie de vous mettre les prix. Je tente aussi de vous mettre en barre d'infos les menus qu'on va faire avec ce qu'on a pris. Voilà, les petits trucs qu'on a décidé de faire avec. Et voilà. Donc, on a pris des pizzas surgelées. Il y en a une 4 fromages, une au thon, parce que madame m'a dit, normalement, c'est celle qu'elle préfère. Il y en a une à la bolo comme ceci. Et une, comme d'hab, pareil, au chorizo. Là, on a deux sachets de pommes rissolées. Vous savez, bah de Auchan, hein, un kilo comme ça. On en a pris deux, voilà. Ici, on a repris aussi un grand sachet de frites. Je me suis pris une petite poêlée comme ça, catalane. Ça a l'air super bon. Haricots plats, courgettes, aubergines pré-frites, poivrons et oignons. Donc ça a l'air pas mal du tout ça. Hein. Je pense que ça va être bon. J'aime bien tout ce qu'il y a dedans. Donc je pense que je vais me régaler. J'ai repris aussi du poireau. Voilà, si je veux faire des petites poêlées ou les mettre dans un plat. On ne sait jamais. Et les haricots verts, pareil, je les ai pris en surgelé comme ça. Comme ça, je les fais à l'eau dans le cookéo. Et après, on les fait revenir tout simplement. J'ai pris ce pack de lait. Il y en a 9 litres à l'intérieur. C'était une promo hein, qui avait actuellement, je vais y arriver. Une promo, hein, bien sûr, ça revenait moins cher que prendre la marque Auchan en quantité. Mais sur le site, en fait, ils étaient à 3 euros plus cher si on faisait le calcul du prix au litre par rapport aux 9 qu'il y a. Bref, on payait 3 centimes de plus, pardon, pas 3 euros, 3 centimes de plus que ce qu'on devait payer qui était affiché. J'en ai parlé à la dame vite fait quand même du drive. Elle m'a dit faut vous rapprocher de l'accueil ça au cas où pour leur faire remonter. Bref, c'est pour ça que je vous disais sur Instagram, pour ceux qui nous suivent sur Instagram, de vous méfier de temps en temps quand même parce que voilà, il faut bien regarder les prix quand même au kilo, tout ça, parce que des fois on n'est pas si gagnant que ça. On a repris des petites galettes de riz complet comme ça parce que bah, j'ai vu quelques petits trucs à me faire pour le matin, un petit peu, vous savez, des petits déj healthy là. Donc, moi aussi j'ai vu. Toi aussi t'as vu. Elle s'est par terre en train de regarder faire le retour de course, j'en peux plus. Donc voilà, on a pris ça. J'ai pris du coup aussi du chocolat noir comme ça, corsé. Ah, okay. J'ai pris des petites pépites de chocolat pareil pour me faire dans les bowl cakes ou des trucs comme ça. Vu que je prends 10 grammes par 10 grammes, au final, ben, les 100 grammes me feront un petit moment. Ensuite, là, on a les petites génoises. Madame Maïlis les a validées. Vous savez à quel point elle était fan de celle de Aldi. Mais elle a bien aimé cela aussi. Donc, nickel. En gâteau pour le matin, on a pris des petites tartelettes comme ça à la fraise. Là, j'ai pris des petits baristos. Je me suis pris ça, moi aussi, pour genre les matins quand j'ai pas le temps. Alors, clairement, je préfère 1000 fois, même si c'est un petit peu plus cher, commander sur le site Prozis. Vous savez que j'ai découvert ce site
et je suis tombée amoureuse de tout ce qu'il y a dessus, tout ce qui est petite barre chocolatée comme ça, mais vous savez qu'ils sont vraiment au niveau sucre, voilà, il n'y a pas de sucre, tout ça, c'est plein de bonnes fibres, c'est plein de protéines et ça vous calme et tellement mieux, ça tu peux bouffer la boîte à midi, tu as carrément la dalle, tu manges une barre de céréales de Prozis, mais t'es calé, même le chéri il avait été choqué quand il en avait mangé une, il m'avait dit mais attends c'est midi, j'ai même pas faim alors j'ai mangé qu'une barre quoi. Donc voilà, je me suis pris ça pour dépanner, mais j'ai vraiment envie de me refaire une commande sur Prozis parce que vraiment, 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 ce site, c'est une merveille, même pour le beurre de cacahuète, même pour tellement de choses. Bref, j'ai repris des Daily Choc au chocolat blanc parce que vous savez que Monsieur Myron n'aime que le chocolat blanc, donc au moins, ça lui fait des petits gâteaux pour le matin. J'ai pris pareil les petits fingers là. Ça, j'ai pris pour Madame Maëlys parce qu'elle adore les brownies et en individuel comme ça. Bah c'est sympa, je me suis dit, elle en prend deux et ça lui fait son petit goûter tranquille, quoi. Là, j'ai pris des spritz. Voilà, j'en ai pris des tout prêts, mais entre-temps, là, quand on est parti récupérer les courses avec Alison au drive, on est passé à Jiffy et j'ai repris quelques petites choses parce que j'ai de plus en plus envie de me remettre à faire des gâteaux pour le matin, pour le midi, enfin pour le goûter, pardon. Ouais, j'ai de plus en plus envie de refaire, vous savez, tout ce qui est croissant maison, tout ça, j'aimais tellement faire ça. Donc voilà, je me dis, il y a les robots, tout ça, donc pourquoi pas. Ah oui, il y a six paquets, non mais abusé, je ne pensais pas que c'était si gros. Il y avait marqué XL dessus, mais bon, je ne m'attendais pas à ça. Vous savez à quel point on aime les nuits chinoises de temps en temps, c'est rapide, c'est très bien pour la midi ou quoi que ce soit. Ouais, c'est trop bien. Et là, vraiment, elle n'aime pas. C'est la seule qui aime pas. Nous, on adore ça et elle aime pas. C'est donc, bien. On les a pris au poulet. Mais c'est alors, c'est le The Truc XXL, quoi. Un truc de malade. Donc, il y en a 6. Hein, voilà. Oui, 2, 1, 3, 4, 5, 6. Je suis certaine. Il y a les mêmes à la cafette. Ouais, c'est vrai. Ça, 1, 5 euros. Ah ouais, quand même. Ensuite, j'ai repris des pâtes pour faire un petit peu le plein de pâtes. J'ai pris des coquillettes, on a pris 2 kilos de tortilles, vous savez. Là-dedans, on a aussi les olives, des noyautés. On a pris 2 grosses boîtes de thon au naturel. Voilà. J'ai pris des petits pois carottes, 1 et 2. Là, on a les sauces, donc le ketchup, la sauce barbecue, la sauce burger. Donc ça veut dire qu'on va faire des burgers. Là, j'ai pris un pot de mayo, voilà. Je me suis dit qu'il y en avait plus que dans les petits tubes là qu'on lui prend à Maëlys, voilà. Donc, un petit pot de mayo pour Madame Maëlys. Parce que la plupart du temps, c'est qu'elle qui mange la mayo, oui. C'est une fan de mayo. Hein. Dans ce petit sac, nous avons des petits goûters fourrés comme ça. Ça aussi, c'est facile à faire. Mais bref, oui. J'en avais fait d'ailleurs. Moi, je me suis pris ça, des petites gaufres. Je prenais ceux de la marque Björk avant. Et là, j'ai vu que Auchan faisait la même chose. Donc, je me suis dit, je vais goûter. 134 calories, une gaufre. De toute façon, en même temps, t'en manges deux, je te garantis que t'en peux plus tellement que c'est quand même pas mal sucré. En fait, ceux de Björk, en tout cas, étaient... tu sens vachement, vachement, c'est le miel, quoi. J'ai pris des bananes. Bon, pour l'instant, on va les laisser mûrir un peu parce qu'elles sont un petit peu vertes. Hein. Donc, on va les laisser un petit peu se faire. J'ai repris. Oh, il n'y en avait plus. Ben oui, c'est pour ça que j'en ai repris. De la vanille liquide pour les gâteaux, pour les, voilà, les mug cakes, les bowl cakes et tout ce que vous voulez. J'ai pris du comté râpé. J'ai pris du fromage râpé. Voilà. Je me suis pris une mozza parce que j'ai vu une petite recette là que j'avais envie de faire. Ah d'ailleurs, j'ai oublié de prendre les courgettes. Bon, c'est pas grave, j'irai me chercher 2 courgettes de bourrin. Non, c'est de la mozzarella. C'est pas de la bourrin. Ensuite, des petits gnognos cookies à poêler. J'en ai pris 2. Ça, c'est plus pour le chéri. Et nous, je nous ai pris des gnocchis normaux. Pour faire des trucs. De ma peine. Ensuite, 2 lardons fumés. J'ai pris des oignons rouges, des petits fromages comme ça de chez Dard. Là, on a 3 pots de crème fraîche légère, 15%. Donc, voilà. J'ai pris 10 tranches de jambon blanc. Voilà. Ensuite,
du café parce que nous étions en rade de café et ça c'est la loose totale. J'ai pris des cookies noix de pécan, vous savez, des chocolats. Des Deli Shop normaux parce que ça m'a dit ça les adore. Des pains à burger parce qu'on va faire des burgers. Là on a des penne au niveau des pâtes encore. Des penne. J'ai pris aussi des petites pépites de chocolat blanc. Voilà, je me suis dit que ça pouvait être sympa aussi pour changer un petit peu dans les broquettes ou dans les préparations du matin. Des petits beurre, pardon, tablettes. Individuel comme ça, c'est pratique aussi, je trouve. Ça, chocolat blanc, pareil pour Monsieur Mayron. Là, on a des œufs, mais des gros œufs. J'ai fait exprès de prendre des gros pour qu'on fasse des œufs à la coque. Voilà, parce que c'est trop trop bon les œufs à la coque. On va les mettre là, éviter de faire une omelette avant l'heure. Hein, voilà. Je me suis pris des patates douces. Parce que c'est trop bon les patates douces en purée, en frites, en tout ce que vous voulez. Et j'ai pris des carottes. 1,5 kg. Ben ça en fait quand même. Je pensais que j'avais pris moins. Donc voilà pour cette petite course. J'en ai eu pour 168 €, je crois. Un truc comme ça. 160 et quelques. Je vous le renoterai au pire des cas. Et je vous mets ce qu'on a un petit peu prévu de faire avec... avec tout ça en barre d'infos comme je vous ai dit et voilà ça nous aura fait je sais pas exactement combien parce que je vous avoue qu'entre temps on est parti faire quelques courses comme ça rapides et tout donc au final je sais pas pour combien ça nous aura fait pour ce mois-ci. Bref, on essaiera de se réorganiser le mois prochain pour vraiment avoir déjà les listes de prêtes etc en fait et de pouvoir programmer les drives, ce sera peut-être plus simple que d'attendre à chaque fois. Après, j'ai la flemme d'aller dans les magasins, tout ça. C'est pour ça que le drive, vraiment, moi, c'est plus cher peut-être au change, j'avoue. Mais ça me pèse tellement, tellement, tellement d'aller faire les courses dans les magasins. Rien que là, on a fait un petit peu des magasins juste en promenant, hein, en baladant avec Alison avant d'aller récupérer le drive. Mais ça m'oppresse. Et en plus, marcher, porter le sac, machin, conduire, tourner la tête, ça me déclenche les douleurs cervicales d'un autre monde. Donc vraiment, pour moi, le drive, c'est la vie. Bref, je vais ranger tout mon bazar. Parce que Madame Charlie, elle a encore besoin de faire ce qu'elle a à faire. Donc voilà, on vous fait des gros bisous. On vous retrouve très vite pour un prochain vlog, dans un premier temps, et puis dans un prochain retour de course. Très bientôt, on vous fait des bisous. Prenez soin de vous en attendant. Et à très vite. Si tu peux retrouver tous nos réseaux sociaux, je t'ai mis Instagram en premier parce que c'est celui où je suis le plus active. Et là, tu auras donc notre dernière vidéo. À très vite.